Bon, je vais ranger le déchaumeur. Hop, on va passer par là parce qu'il a que regarder le pick-up là. Tac, on va aller doucement. Le beau petit Renault là qu'on a acheté il n'y a pas longtemps et il est vraiment super CO. Bon, non, je le range en longueur comme ça. Ça va passer. Qu'est-ce qu'il chipote encore le petit Fab? Voilà. Tac. Ok, parfois on va laisser là pour le moment. Hop, voilà. Ouais, Fab! Ouais! Ça va? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ta clé de 13! Ah, ça fait un an! Bah oui, bah, j'avais 5 minutes, t'as dit tiens, je vais la chercher! Ah, c'est bon. Ah, regarde ce qui arrive là, il y a DJ là. Mais t'as vu comment t'as rangé toi ton tracteur là? Bah il est bien rangé! Bah tu prends en 4 places là! Bah c'est pas grave, on a pas besoin de plus. Et sinon il va bien le Renault qu'on a eu, hein, qu'on a acheté. Ah bon, il roule bien? Ouais, il roule super bien, ouais. Ah bah attends, il y a Thierry, ça va Thierry? Tiens, qu'est-ce que tu fous là toi? Ah, tu l'as pas entendu, ouais, mais tu deviens sourd ou quoi? Non, Putain, mais oh, ça, il y a le massé qui tourne en plein, mais attends, il l'écoute pas, il devient sourd. Ça va Thierry ou quoi? Il s'améliore pas avec l'âge, ton ouvrier. Ah bah non, là, c'est de pire en pire. Hein. Ah, mais ouais, il est comme Vainé, il est gonflé, tu sais. Oh, ah, ça y est. Hein. Bon, qu'est-ce que tu. Eh, hey, ça travaille ici avec le massé et tout? Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ah là là, Eh, mais c'est t'es. pas, T'es pas ce pas, que j'ai eu. pas avec le Fendt qu'on a. Non, 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 Ah non, non, bon. il est au chaud, il est à l'abri, celui-là, sous cadenas. Ah, carrément, Ah, carrément, sous ouais. cadenas Ouais. maintenant. Bah. Qu'est-ce que Faut tu pas voulais me nous le dire, voler mon deux petit fois. Thierry? Ouais, c'est pas ce que j'ai découvert là en passant devant la concession. Non, qu'est-ce qu'il y Non. a? La concession Eh bah. de l'ouvrier, de Ouais. concessionnaire, celui qui nous a arnaqué là? Ouais, bah elle a Ouais. rouvert. Ah ouais? Bah, Il est j'ai vu revenu? ça en passant devant Non. là. C'est lui qui est revenu ou quoi? Bah, je sais pas, je me suis pas arrêté. Ah, tu sais pas arrêter. Tu veux qu'on aille voir? Oh, ouais, on va aller voir si c'est lui, Oh, on on va va lui aller faire faire sa fête à tout. celui-là. Moi, Ouais, j'ai tout toujours pas court. compris. On a toujours pas eu de nouvelles des flics. Ça fait un an que, quand ils sont venus, ils ont rien trouvé. Ça fait un an que le mec il a disparu. On a toujours pas eu de nouvelles. Bon, à mon avis, tu sais, ils en ont rien à foutre quoi. Tu vas avec le tracteur, on va en pick-up ou tu prends ton pick-up? Bon, je vais y aller en tracteur, hein. Ah, parce que nous on a Plus que deux vite on places. y Hein. est, plus vite on le chope. Ouais, vas-y, bah écoute, on te suit. Ok. Bon, Fab, Allez. c'est parfait, hein. Tu conduis comme d'habitude, j'ai Ouais, envie de te dire. Hein. là Bon, je pourtant, je saute conduis de mieux que ma toi, mais bon, je vais te laisser un peu apprendre. Bah, c'est ça, oui. J'ai l'impression d'avoir vu cette rue, Fab. Oh là 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 là. Ah bon? Ah ouais, on les reconnaît, hein. Y a rien qu'à changer ici. À part qu'il y a du nouveau matos. Regarde ce qu'il a, mais ouais. Mais, c'est lui? Bah putain, bah alors là. Ouh. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, ça va Ouais, chier. je m'arrête. Oh, ça Attends, va oh là. chier. Oh, ça va chier. Oh, toi! Comment tu te permets de Hey! revenir ici? Oscar! Le gars Oscar, là. On veut garder, s'il vous plaît. Oscar! On veut garder, s'il vous plaît. Oscar! Arrêtez, s'il vous Oscar! plaît. Arrête! Arrête, Oscar! Mais, ma pépère, Oscar, monsieur! Mais. Oh, ne nous la fais pas, s'il te Mais plaît. il est con ou quoi, le mec? Eh, mais Il prend vous pas pour des bons Eh, connaît et pas, maintenant, monsieur! il va faire l'amnésique, le monsieur. Bah ouais, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, vous êtes choqué? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez Mais, arnaqué, ça fait 2 ans que vous arnaquez, vous êtes barré, vous êtes revenu, ça y est, c'est la fête. monsieur, vous êtes qui, s'il vous plaît? Bah, vous êtes qui? Mais il se fout de notre gueule Il ou faut. quoi? On s'est fait arnaquer par vous, ça, il y a un an, on s'est fait arnaquer par vous. Vous vous souvenez pas que notre Fiat, là, machin, après vous avez donné le fait, vous avez été le voler chez mon copain agriculteur, et après vous êtes barré. Mais je suis nouveau, monsieur Eddy. Monsieur, on s'est fait arnaquer par Oscar. Oscar, comment c'était son nom de famille là Du encore? Bel Air. Du Bel Du Air, Bel voilà, Air. Oscar du Bel Air. Ah, t'étais mon frère. Mais putain, mais cette famille ici ou quoi? Vous êtes tous concessionnaires, vous travaillez tous dans. Ah ouais, c'est inné Oui, chez eux, hein. monsieur. C'est tous de l'arnaque. Oh là 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 là. Et Non, puis non, ça. non, moi, je suis pas Ouais, mais narc. vous savez que votre frère, ça, il nous a arnaqué Ah, comme je sais pas quoi, hein. Mais des 100 000 balles, hein, facilement, qu'il nous a arnaqué, hein. 200 000 balles facilement, hein. oui, mais je le connais. Hein. Bah, Il encore eux, c'est votre frère. arnaque tout le monde. Bon, du coup, vous pouvez appeler votre frère parce que nous, ça fait un an qu'on attend justice. Les flics, toujours pas de nouvelles. J'ai l'impression qu'ils nous ont laissé tomber. Donc, si vous êtes de bons gestes, vous l'appelez et vous lui dites qu'il vienne et on va lui dire dans Je les peux voies. l'appeler. Bah, Je ouais, peux mais. l'appeler, lui dire de venir ici. Et vous pensez qu'il pourra être là demain ou pas? Je sais pas. Ah, Ouais. bah, y a plutôt intérêt. Demandez-lui, inventez-lui quelque chose que vous avez besoin de lui ou je sais pas. Et puis qu'il vienne chez vous, et là vous nous dites à peu près à l'heure où il arrive et nous on débarque. Hein. Oui, pas de souci. Vous me passez votre numéro? Bah Fab, passe le tien, s'il te plaît. Ouais, alors c'est le 07 08
Oui. 09. Oui. 010. Pas de soucis, merci. De rien, monsieur. C'est comment ton prénom déjà? Octave, monsieur. Ah, quand même, bah, y'a, t'as mis le temps à sortir le prénom, hein. Ah, ouais, mais. Toi, ils ont à peu près le même prénom, hein. Bon, en tout cas, je vous fais confiance. Appelez-nous demain dès que vous avez. Enfin, appelez mon collègue et puis on viendra directement. Si vous êtes de droit chemin. Ah, moi, je suis plus droit que le chemin, monsieur. Ouais, ben, bah, parce que j'espère bien, parce que vu la gueule de votre frère, le mec s'est barré avec 100 000 balles, hein, je vous le dis. C'est un petit con et un petit arnaqueur. Ah, bah oui, ça, bien sûr. Moi, je suis pas du tout comme ça, moi. Bon, Thierry, tu viens. Thierry, tu viens demain aussi avec nous, hein. Ah, bah ouais. Putain, ça va. Bah, on va faire comme ça, on vous laisse pour aujourd'hui et dites-nous de quoi demain. D'accord, pas de soucis. Et vous avez de l'attente que j'ai pas appelé les flics, hein. Parce que me crier dessus comme ça alors que je n'ai rien fait. Excuse-moi, hein. À ton escroc de frère. C'est ça quoi, vous êtes deux. C'est pas marqué sur ton front, comment tu t'appelles, Octave. Ouais, c'est ça quoi. Pas marqué sur votre front, hein. Excusez-moi, mais sur l'antenne, il y a mon nom et mon nom de famille. Hein, tu penses qu'on a eu le temps de regarder l'ancien? On était tellement enragés. Écoutez, on voit un mec. Qui est identique à son frère jumeau, qui reprend la même concession qu'il avait il y a un an. Écoutez, moi je suis désolé, mais vous aurez fait pareil. Hein. Faut vraiment. Heureusement que vous connaissez pas les magouilles de votre frère, parce que le hasard pour que vous retombiez sur la même concession qu'il a eu il y a un an, franchement. Ouais, voilà, c'est quand même louche quand même. Je sais pas. Moi je sors la couille dans le pâté. Hein. Ouais. Mais non, il n'y a pas de couille dans le pâté. Bon allez, ciao. Ciao Bella. Ah, on y va. Ouais, à demain. Ouais. Gustave. Ok. Octave, excuse-moi. Ouais, à plus Octave. Hein. Ouais. Bon travail. Dieux. Ah là, je te jure, j'ai jamais vu des mecs pareils. Ouais, c'est vraiment court cool, ceux-là. Allô, Oscar. Oui, c'est ton frère. Oui, je t'appelle pour te dire si tu peux venir à la concession. Oui, j'en ai une nouvelle, oui. Oui, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oui, bah, demain tes deux vœux. Oui, allez. Oui, ok, ça marche. Merci. À demain. Oh, mais c'est qui encore? Oh, putain. Putain, ils sont tous tous ces ans ici, là, à venir, là, c'est moi. Ah, bien, bonjour, monsieur. Bonjour. Écoute, je viens faire changer la couleur, là, du tracteur. Parce que l'ancien arnaqueur ici, il me l'a volé, il l'a repeint en bleu. Ah oui, c'est vraiment moche, hein. Bah oui, c'est horrible. J'aimerais bien qu'il retrouve son vert, que tu me le laves un petit peu et que tu changes le turbo, il fait un petit bruit bizarre. D'accord, pas de soucis. Je vous fais ça dans la journée, ça vous va? Bah oui, ça me va très bien. Vous l'aurez dans la soirée. D'accord, et j'espère que tu m'arnaques pas comme ton frangin. Ah non, moi, promis, tu récrasé. Je répare tout. Ok. Ouais, bah, t'as pas un tracteur à me prêter en attendant? Suivez-moi. Suivez-moi. Ah bah là, je peux vous prêter le Fiat si vous voulez. J'espère qu'il fonctionne bien. Et il fonctionne à merveille, monsieur. Bah, va il pour est ça. Tout neuf. D'accord. Eh bah, je vous prends celui-là en attendant. Ok, pas de soucis, monsieur. Allez, à plus tard. À plus tard. Bon Fab, je vais aller déchaumer le champ qui est en face là, tu sais le champ qu'on a laissé faner là, juste devant le petit truc, je pense qu'on va ressemer dessus, on verra. Bah, putain, mais il est encore là. C'est quoi, mais qu'est-ce que c'est? C'est encore Thierry, eh. Mais on dirait un tracteur. Bah ouais, ça va Thierry? Ouais, écoute, tu fais que Fiat toi? Pourquoi tu repasses, on s'est vu il y a une demi-heure, pourquoi tu repasses maintenant? Bah, je suis allé ramener le fan chez Octave là, pour changer la couleur et réparer le turbo. Ah bah oui, c'est vrai, tu devais changer, putain ouais, c'est vrai que tu l'avais en bleu, j'avais oublié. Ouais, et il m'a prêté un Fiat en attendant. Oh bah il ressemble au vôtre. Ah ouais, bah c'est ce qu'on vient de s'apercevoir. Ah ouais. Bah, et son frère a quand même l'air d'être plus clean que lui. Hein. Bah écoute, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Hein. J'allais jamais là-bas. Mais... Ouais, hein. On va voir s'il va tout réparer. Enfin, s'il va tout te repeindre correctement ou quoi. Bah, j'espère qu'il m'arnaque pas. Hein. Je l'ai tout de suite prévenu. Oh bah j'espère pour lui parce que là, ça va être leur fête. Hein. Bah, là, je suis remonté combien de pendules contre eux. Oh bah tu m'étonnes. Nous aussi, t'inquiète. Hein. Bon, bah écoute, ça marche de toute façon. Et demain, quand il appelle Fab, je te téléphone et puis on y va. Hein. Ouais, ça marche. Ça marche. Allez, moi je vais aller travailler, j'ai le champ à déchaumer. Ciao, ciao. Allez, va bosser un peu pour une fois que tu as bossé. Hein. Tu vas faire quoi, toi, Fab? Parce que tu parles des autres, mais là, tu fais quoi, mon petit Fab?
J'allais boire une bière, tiens. Allez, génial. Toujours à picoler celui-là. Eh, pendant qu'il y en a des gens qui vont travailler là. Non, mais tu veux qu'on sème quoi là par ces temps-ci là, avant l'hiver sur le champ d'en face, que c'est un petit champ. Au pire, on fait un potager avec. Ouais, on va faire un beau potager avec des patates, des carottes, des poireaux. Ouais, le champ, il est pas grand, ça sert plus à rien. Ouais. En plus, de toute façon, regarde, cette année on l'a même pas récolté donc. Ouais, c'est clair. Ouais. Vas-y, je vais aller faire ça, puis tu m'en décapsules une, j'arrive. Ok, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Vas-y, à tout de suite, ouais. Bon, allez, je vais rechercher le Renault. Petit Renault qui roule bien, d'ailleurs. Il travaille pas mal d'heures, ce moment-ci. Hop. Voilà, parfait. On va voir ce qu'on peut faire. Yep. Alors, j'espère quand même que demain, on va avoir des nouvelles. Putain, mais Fab, il abuse. Toujours le pick-up. Alors, lui, c'est le roi de tout laisser dans les jambes, hein. Oh, je m'en fous, c'est lui qui conduit plus le pick-up. S'il est griffé, tant pis. Hein. Voilà. Ouais, il est pas très grand champ, il sert à rien en plus. Hop, on va rentrer par ici. On s'en fout, de toute façon, on peut rouler dessus. Tout est fané quand même, on va tout déchaumer. Il ne restera plus grand-chose à faire après. Et j'espère juste avoir justice de ce qui nous est arrivé il y a un an, maintenant qu'on a enfin des nouvelles de ce fameux... le fameux Oscar, là. On va voir un petit peu ce qui est beau. Fab, là, je vais lui dire qu'au lieu de boire sa bière, qu'il aille me nettoyer le Renault, là, parce que là, putain, il est crado. Il est passé où, maintenant? Mais putain, mais à chaque fois, je le trouve jamais, le Fab. Oh, là. Oh! Mais putain, mais le v'là, ça y est. Ah, qu'est-ce que tu foutais encore, là? Ah, je suis soufflé. Mais il soufflait pourquoi? Tu m'as dit que tu t'allumais une bière ici, tout seul. Ah, mais j'étais au café de la place. Putain, mais c'est pas possible, ce mec. Eh, tu sais qu'on travaille ici, hein, on n'est pas à la fête. Hein. T'as vu le char qui fait, j'ai dû boire une bière avec Thierry. Le Thierry. Ah, mais c'est pour ça que je viens de le voir passer. Il vient de repartir avec son case. Bah ouais. J'ai l'impression, à chaque fois je le voyais avec deux tracteurs différents, ce mec, c'est incroyable. Eh, hey, Fab, maintenant là, tu t'es bien amusé, oui. Maintenant c'est à mon tour d'aller m'amuser. Faudra que tu me nettoies le Renault là, t'as vu comment il est dégueulasse. Tu crois qu'il y a marqué pigeon sur mon front, quoi. Attends, mais moi je travaille toute la journée, toi tu vas boire des pintes. Ouais, bah c'est bon, ouais. Pour une fois que tu bosses un petit peu, hein. Bah, ouais, Dieu, je fais que ça. Je fais que ça. Encore au matin. De la monnaie à l'exploitation. Encore au matin, c'est Corky qui a été donné à boire aux vaches, hein, qui crevait de soif sur les prairies parce que hier. C'est Bibi qui a venu à boire. Ah non, toi tu dormais. Non. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Certes, si tu peux le nettoyer, ça serait cool. Moi, je vais aller boire une bière. Ciao. Ouais, bah c'est ça. Je m'appelle Karcher, c'est ça. Ok. Bon, Fab, il nous a toujours pas appelé. Putain, voilà ton téléphone qui sonne. J'espère que c'est lui. Ah oui, hein. Putain, ouais, attends. Allô? Ah, salut Octave, tu vas bien? Ouais. Ah, il est là. Ok, bah on arrive. Allez, à tout de suite. C'est bon, c'est lui du coup? Ouais, c'est lui, voilà. Faut qu'il y aille maintenant. Il est. Bah écoute. L'attaqueur, il est arrivé là. Oh putain, alors lui, ça va être sa fête. On prend le pick-up, on passe klaxon chez Didier là, qu'il arrive avec nous. Et puis, j'espère qu'il est pas encore au café lui, hein. Allez, bah, je sais pas, on va. Et go, on court, on y va. Et la prochaine fois, range-la parce que depuis hier, elle est là. Attends, je suis quoi? T'es rasoir. Putain, mais c'est pas possible. Mais attends, mais le mec, il faut rien de la journée. Et puis, hein. Allez, Fab, on va pas discuter de ça, on a d'autres trucs à faire là. Passe par chez lui, klaxonne, là je sais pas où il est, lui encore, là il est jamais chez lui de toute façon. Il est toujours en route avec ses tracteurs, là il va encore être avec un différent aujourd'hui. Il a décidé de mettre quoi à ses pieds là aujourd'hui, Thierry? Hein, un petit 400, un petit 500 vario? Oh, c'est rien, mais... bah tiens, il est là au café, tiens. Oh putain, mais alors, ah mais c'est ça que tu fais toute la journée, tu vas là tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Oh putain. Hey Thierry, au lieu de boire là, tu sais qu'on a le concession là, hein, qui est arrivé. Ah ouais? Ouais, bah ramène-toi. On a pas le temps là. J'arrive. Pas possible ce mec. Ouais, vas-y, il arrive.
Et t'as un picolé encore, je parie. Bon, toi, alors toi aussi, hein, donc c'est bon. Oh, c'est bon, je bois que 2 ou 3 litres, c'est tout, hein. C'est pas énorme. Qu'est-ce qu'il a... Attends, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, écoute, je vais y aller, il y a ma mère qui est tombée, il faut que j'aille voir, je dois seulement appeler l'ambulance. Putain, c'est le moment, putain, fais chaud. Bah écoute. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Je sais. Engueule-le plein de ma part. Hein. Ouais, je vais essayer, écoute, bon courage à toi et. Ouais, mais. Fais chier, putain, c'est pas. Ah, oh, vas-y. Bah écoute, je vais voir et puis je te tiens au courant. Ouais, bah si tu sais revenir le plus vite, reviens le plus vite. Hein. Je vais faire ce que je peux. Ça marche, bon, bon courage. Allez, à plus tard. A plus. Écoute, Fab, avant d'avancer, il y a Thierry et sa mère qui est tombée dans les escaliers et il doit aller voir. Je peux pas lui dire de venir hein, si, si sa mère est tombée, autant qu'il s'occupe d'elle, qu'il appelle l'ambulance, je sais pas. Mais... Ouais. Bon, écoute, on y va à deux, tant pis. On y va vite parce qu'avant qu'il se barre, l'autre. Allez, go. Oh putain, alors lui, ça va être sa fête, crois-moi. Voilà. Ouais. Ils sont là, les deux. Oh putain. Oh. Alors toi, tu vas voir. Hein. Toi, je vais te faire une tête au carré. Hein. Oh, Octave, c'est toi qui as dit que t'étais venu. Bah, oui, mon gars. Oh là. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça va te régler tous les deux. Bon, bref, on s'en bat les couilles de ce que vous dites. Ouais, là. Les bisigotos s'en foutent de notre vie. Là. Nous, on veut récupérer notre pognon. Alors, toi, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Un an, on a appelé les flics, ils se sont barrés. Un an. Tu te rends compte ou pas de ce que t'as fait? On a perdu 100 000 balles à cause de toi. Oui, je sais, je ne m'ai même pas fait choper en plus. Tu t'es pas fait choper? Oh là 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 là. Mais oui, mais non, mais. C'est pas comme ça que ça va aller, tu sais. Oui, mais j'ai arrêté mes magouilles parce que c'est mon. Mon collègue, il a eu trop de problèmes. Qui ça? Qui a eu des problèmes? Bah, Patrick. Ah oui, Patrick. Et du coup, bah, il a eu trop de soucis, alors des doutes d'arrêter mes conneries. Bah oui, mais n'empêche. Ah oui. Donc, il fait conneries, c'est lui qui paye. C'est voilà. Sympa, toi. C'est super sympa. Et le pire. Ah oui, de m'en veux beaucoup. Ah oui, bien sûr. Heureusement qu'on a vu que ton frère avait racheté la concession, parce que toi, tu pouvais mal de venir nous dire que de ce que t'avais fait. Hein. Bah oui, mais voilà. Ah, c'est, je voulais pas faire ça, c'est mais génial bon. L'honnêteté. Heureusement que ton frère est un peu plus honnête que toi. Hein. Oui, ah, j'espère. Il est plus tard que moi. Mmh. Ah, bah, encore. Ouais. Sinon, tu crois que ça va se régler comme ça? Parce que moi, je vais appeler les flics. Hein. Non, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Ah, bah, si. Non, tu dois en vouloir à ton frère, c'est lui qui a prévenu. Hein. Mais en tout cas, moi, je vais les appeler. Hein. À moi? Non, s'il te plaît. Ah, j'ai peut-être. Je fais un truc en étant de si tu veux. Eh, Fab! Quoi? On le prendrait pas un an à la ferme? T'es fou toi! Et il va vendre tout le tracteur et. Gratos! Ouais, mais je n'ai pas confiance avec lui. Bah, tu veux qu'il fasse quoi? Il peut vendre tout le matos. Et toi, de toute façon, toi, tu travailles jamais autant que tu le surveilles! Ah, oh, bah, du coup, j'ai ça à foutre que le surveiller. Je préfère aller boire ma bière tranquille que tu. Comment dire. Je vais boire une bière avec vous si vous voulez. Non, alors. Alors là. Tu fais ta maison, toi. Alors là, tu vas travailler. Ok, j'ai une clause à te dire. Une clause. Tu travailles pendant un an gratuitement à la ferme et j'appelle pas les flics. Sinon, c'est terminé pour toi. C'est toi qui choisis. Hein. Oh, oui, fais ça. Ok. Fab, tu le surveilles. Ouais. Tu vas voir, ça va bien se passer. Un an gratos. Yes! Bon allez, marché conclu, monsieur. Et n'abuse plus jamais de nous arnaquer, parce que franchement, la prochaine fois, ça va tourner autrement. Thierry, j'ai réussi à ranger le coup, t'as de la chance que Thierry n'est pas là, hein. Parce que Thierry... Ah là là. Bon allez, marché conclu. Merci. Et demain, je vous dis, hein, c'est pas les horaires. Et c'est pas des horaires de plagiste ici, hein. Demain à 7h, debout 7h, t'es fou, toi. Quoi? 6h, oui. Oh, il peut arriver à 6h. Non, 7h pour le premier jour, on avisera pour les prochains. 6h du matin. 7h. 7h. 7h, 16h. 7h, 16h. 7h, 16h tous les jours. Parce que maintenant, je sais toutes vos adresses de toute façon. Et je vais vous retrouver très facilement. Donc 7h, 16h tous les jours. Sinon, c'est ciao, la prison. Au revoir. Oh,
on a même pas une pause de déjeuner. Si, si, à une pause à midi d'une demi-heure. Hey. Et je peux te dire que tu vas dîner en tête à tête avec Fab. Un casse-croûte, une demi-heure, ça suffit. Voilà, c'est parfait. D'accord. Une heure pour demander. Une demi-heure. Et d'ailleurs, tu vas. Demain, j'aurai un truc à te demander, c'est de retrouver ma clé de 13. Ça va? Ça va? Toute la journée, tu vas faire ça. Tant que tu l'as pas trouvé, tu quittes pas les lieux. Allez. Bon, merci, merci Octave en tout cas. Mais de rien, mes vieux, il n'y a pas de soucis. Et bien fait pour lui, de toute façon. Prenez soin de lui. Bon, je sais qu'il a fait des conneries. Prenez soin de lui. Et puis, voilà, c'est tout. Moi, de toute façon, je suis très droit. S'il respecte ce qu'il a dit, qu'il vient travailler pendant un an, jour pour jour, gratuitement, je n'appellerai pas les flics. Et vous n'aurez jamais de problème. Etc. Pas de soucis. Ça va ? Allez, merci. Et en fait, Thierry n'est pas venu avec vous. Non, il devait venir, mais là je peux vous dire que Thierry a été beaucoup plus violent. Parce qu'il rigolait pas. Oui, mais oui, j'ai vu ça, caractère tout à l'heure quand il est venu. Il est pas venu parce que il avait sa mère qui. Au moment il est parti avec nous et là il a reçu un appel là avant d'arriver, que sa mère était tombée dans les escaliers. Donc je pense que c'est quand même plus important sa mère qu'un mec qui l'a arnaqué. Mais... Oui, bah oui, c'est sûr. C'est normal. Sûr. Ouais. Mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est son fan qui est réparé. Ah bah je lui dirai, y'a pas de soucis. Mais si vous voulez, vous pouvez l'emmener et vous lui dites que c'est cadeau de la maison. Ok, ça marche. Fab, tu le prends? Ouais, ok, je le prends. Ouais, tu ramènes chez Thierry. Puis... Bon allez, bon toi oublie pas, hein, demain 7h je t'attends. Hein. Et si t'es pas là... Pas de doublie, William, pas de doublie. Voilà, allez. Bon à plus Oscar, à plus Octave. Bisous, bisous. Oh. Au revoir, salut. À plus les frères Bogdanov, salut. Fab, le Fendi il est ici, hein, je sais pas où tu vas. Hein. Ah il est là. Ah bah putain. Oui. Ah bah ils ont mes yeux, quel non. Con. Non mais il a les clés dessus, hein, y a pas de soucis, hein, je pense. Bon allez, on se retrouve à la fin. À plus, allez.